Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être formé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vais ici traiter quatre affaires. La première concerne l'éducateur. La deuxième, son fiston Denis Christelle Sassou Nguesso. La troisième concerne Jean-Marie Michel Mokoko. Et enfin, la quatrième affaire concerne le peuple congolais. Ceci dit, commençons d'abord par le dictateur Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, malgré les conditions de vie sociales et humanitaires catastrophiques, malgré que le pays risque de devenir une poudrière, on parle même d'un processus de somalisation. Quand on parle de somalisation, on pense tout naturellement à la Somalie, quoi. Donc, on est dans un climat politique délétère, social délétère. Donc, il y a de l'électricité dans l'air. Et les tensions sont là, bien sûr, qui sont là, parce qu'on a brisé des vies. Il y a eu trop de coups tordus et de coups bas, les uns contre les autres. Et il y a les haines, il y a les rancunes, il y a des contentieux historiques qui n'ont pas encore traité. Il y a des règlements de comptes en dormance. Et il y a la tension, il y a de l'électricité dans l'air. Et il faut simplement être inconscient ou même naïf pour ne pas prendre ce risque qui est en cours et qui risque de broyer tous les systèmes Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, oui, malgré ces conditions de vie exécrables qu'aucun peuple au monde ne pourrait les supporter, parce que partout dans le monde, il y a des dictatures. Nous avions 50% des régimes politiques partout dans le monde sont des régimes politiques tyranniques, autoritaires et autres. Mais le nôtre est atypique. Parce que regardez ce qui s'est passé au Rwanda, pourtant c'est une tyrannie. Regardez le niveau de vie. Regardez ce qui s'est passé au Angola, avec ce qui est passé avec Dos Santos, c'est une dictature. Regarde les conditions de vie. Au Bien-Guinguema, au Guinée équatoriale et partout, les dictateurs ont toujours cherché à porter les conditions de vie à leur peuple pour qu'ils deviennent sa servitude. Voilà. Mais les nôtres, c'est le contraire. Ils ne cessent de tirer les Congolais vers le bas, de briser des vies, de fracasser tout un pays. Mais nous ne sommes pas capables de prendre notre responsabilité. Et c'est ça le problème. Et donc, d'après les sources, eh bien oui, que Sassou Nguesso pourra encore tenir jusqu'en 2021. Retenez bien. Sassou Nguesso pourra encore tenir jusqu'en 2021. Et pourquoi et comment? D'abord, pourquoi? Parce que pour chasser Sassou Nguesso, il faut que les Congolais soient dans la rue. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Eh bien oui, ce n'est pas les hommes politiques qui vont faire partie de Sassou Nguesso. C'est une dictature, c'est impossible. Ce n'est pas les armées congolaises qui vont faire partie de Sassou Nguesso. C'est impossible, cette armée est désarmée, ça soit à fracasser les armées et le peuple congolais. Mais non, il en abuse avec les institutions, qui fait ça à sa guise, l'État, c'est lui. Donc, sur le plan du peuple et des armées ne comptent plus, puisqu'il n'y a plus d'État. Et donc, sur ce plan, Sassou a peur que les Congolais soient dans la rue. Mais or, cette éventualité est difficile à mettre en place pour quatre bonnes raisons. La première raison est que ça soit trop divisé ce pays. L'art de diviser pour régner. On est bien d'accord. Et la conséquence, c'est la deuxième raison, c'est que vous avez par exemple vu voir, en 2015, où plus de 50 à 100 000 Congolais étaient dans la rue, on vit dans des coudes avec le régime. Les opposants politiques leur ont amené au boulevard des armées et après ils ont rentré chez vous comme des moutons. Ils sont rentrés chez eux comme des moutons. Regardez ce qui s'est passé en Somalie, au Soudan.
en Algérie et ce qui s'est passé en Corée du Sud et autres. Les peuples, c'était des petits jeunes du quartier, hein, ils sont mobilisés entre copains, ils sont venus tenir, ils ont tenu bon et tout le monde vient au fur et à mesure. C'est pas dire tout le monde, on y va, on nous a créé ces amalgames, que c'est des problèmes des quartiers nord, des quartiers sud de Brazzaville. Vous aviez vu au Soudan, à Khartoum, on parlait que c'est venu d'un quartier ouest, ou je sais pas, de Khartoum. Ils ont tenu, après ils sont allés, les autres sont venus, fédérés au fur et à mesure. Et c'est eux qui sont les gobonnets de la transition. Et on a vu aussi en Corée du Sud, paraît qu'ils venaient des quartiers ouest, je sais pas, ouest, ou, voilà, en un quartier. C'était des jeunes entre eux, ils sont organisés, après les autres sont arrivés. C'est pas attendre que, bon, il faut venir que le sud ou le nord ou autre. Voilà pour ces raisons que ça soutient. Donc, il est sûr, il est rassuré. Dès qu'on parle des quartiers nord, quartiers sud, Sassou est encore là. L'art de diviser pour régner. Mais bien entendu, la troisième raison, vous avez les colporteurs. Et des erreurs du passé et de la peur d'ailleurs. Moi, je l'ai vu ça. Moi, j'étais vraiment étonné. Je ne sais pas qui l'a fait sortir cette idée. Surtout après la manifestation du septembre et octobre 2015, et c'est sorti partout, la diaspora, les intellectuels, les classes politiques, qui parlent. Ah oui, c'est les quartiers nord de Brazzaville qui sont pas mobilisés. Et oui, il y a que les quartiers sud. Attention, si vous allez là-bas, il va nous tuer. Il va vous tuer. Il va. Attendez, ça, c'est les colporteurs de la peur. Parce que ces 100 000 Congolais-là, qui étaient dans la rue, avec les Kolela et tout ce monde-là, s'il a envie de prendre le pouvoir, par rapport à ce qui s'est passé déjà au Burkina Faso un an avant, il aurait pu aller jusqu'au bout. Donc, vous avez compris, avec ce peuple et ces hommes politiques et ces intellectuels-là, il est difficile en ce moment de mettre les gens dans la rue. Parce qu'il y a trop d'enjeux. La dictature de Sassou Nguesso est devenue un marché, un fonds de commerce, où il y a des gens qui ont des passifs à cacher. Il se trouve que mieux vaut rester encore avec Sassou Nguesso. Par exemple, ceux qui ont trahi l'Issouba, ils veulent que Sassou Nguesso reste là ensemble. Ils ne voudraient pas que Sassou tombe. Il faut se dire la vérité. Ceux qui ont tué les gens qui ont volé avec Sassou du nord ou du sud ou du système, ils ne veulent pas perdre ses privilèges. Donc c'est ça. Donc il faut s'affranchir d'eux au niveau déjà mental, psychologique et surtout social. Dire non, oui. On peut s'affranchir dès le moment venu si on se met dans la rue. On va vivre mieux que ce qu'ils nous font là. Et donc, ces colporteurs ou vendeurs de la peur sont là. Eh bien oui, ils ont créé des amalgames. Nord, sud et autres. Mais ça range. J'ai dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Les gens-là qui sont là, c'est des gens qui savent que. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hein. Attention, hein. Ils sont beaucoup dans le régime, le système, mais il y a aussi beaucoup dans l'opposition, de la résistance. Parce que je vous dis qu'il y a des gens qui ont des passifs à cacher. Ils ont commis des crimes économiques et même humanitaires. Ils cherchent, ils restent avec Sassou les protège. Et donc, on peut tout embrouiller là. Donc, mettre les gens dans la rue, il faut que les jeunes puissent s'affranchir déjà de ces gens-là. Si on ne s'affranchit pas de ces gens-là, c'est impossible. Donc, c'est le moment ou l'événement qui fera des hommes congolais de demain, au moment qu'ils seront dans la rue. Vous avez vu la jeune fille de 21 ans au Soudan qui s'est levée. Eh oui, vous voyez, célèbre. Qui nous aurions au Congo-Brazzaville? Des jeunes, voilà. Donc, nous cherchons ces jeunes-là. Parce que l'œuf. Quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. On fait des omelettes. Nous, en 1997, on est venu fracasser par le coup d'État France-Afrique. Et voilà, on est en train de consommer l'omelette congolaise. Alors que si l'œuf est brisé de l'intérieur, eh oui, la vie, eh oui, les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. C'est pourquoi nous lançons ces messages à destination du peuple congolais. Et donc, vous avez la quatrième raison, c'est problématique anthropologique. Nous sommes des peureux, heureux, des lâches. Eh oui,
Sinon, Sassou n'aurait pas roulé tout ce monde-là dans la farine depuis des années. Il y a un problème. Nous sommes des Bantous, des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Ils sont pas courageux. Ils sont, voilà. Donc, Sassou, vous êtes naïf, heureux. Les émotions au-dessus de la raison. La tribu au-dessus de vous. Moi, donc, je peux utiliser un membre de la tribu et fracasser tout un peuple en achetant la conscience des leaders d'opinion, des relais d'opinion. Ou des activités de chaque tribu, et je fracasse ces tribus, c'est ce que Sassou Nguesso fait. Il y a de chaque tribu congolaise, il y a des gens qui servent Sassou Nguesso. Je ne veux pas parler de ma tribu, vous avez vu. Mesdames, Messieurs, résultat des courses, c'est l'immobilisme, le statu quo politique, les amalgames et les boucs émissaires, le pays bloqué. Et pourquoi? Parce que on ne peut pas construire une dynamique dans un climat de méfiance et de défiance. Vous avez trois règles de la relation sociale ou politique et autres. Vous avez confiance, méfiance et défiance. On fait confiance à quelqu'un et la confiance soude les liens. Et on peut aller faire beaucoup de choses dans la confiance. Elle ne se décrète pas, elle se mérite. Et si on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Méfiance, on se méfie de quelqu'un. Et si cette méfiance devient récurrente, répétitive, on rentre dans la défiance. On évite. Il y a des gens qu'on évite. Il y a des gens qu'on fait. Mais dans l'art de diviser pour rien, nous sommes dans un climat de défiance entre nous Congolais. Donc on s'évite entre nous. On ne sait pas qui est qui. Entre les traîtres, les ennemis. Bien sûr que je respecte mon ennemi. Je ne respecte jamais un traître. Un traître, c'est celui qui puise ton énergie et les donne à ton ennemi. Et donc nous avions ça, nous devons les raisonner dans la cause commune. La cause est juste, noble et légitime, le pays est en danger, le peuple en danger, pourquoi continuer encore à trahir les uns et les autres? Alors que nous avions beaucoup de choses à vivre ensemble et construire ensemble par la suite. Donc, je voulais dire qu'il y a l'immobilisme, les statu quo, les amalgames, les boucs émissaires et tout ça, ça range l'indicateur. Et il a très bien compris d'ailleurs. Et comment? Déjà aujourd'hui, au vu de la situation du Congo, un homme politique, quelqu'un qui a une âme et une conscience raisonnable, il devait peut-être dire non, mais destituez-moi, ou je démissionne, ou je cherche une solution, ou ailleurs dans le monde comme ça. Mais lui, il fait le con. Faire le con, en français, on dit on s'en fiche de vous. Donc vos situations de bourse, de retraite, de salaire de fonctionnaires, de problèmes de l'eau, électricité, éducation, d'insécurité, d'injustice et tout compagnie. Il s'en fout. Il fait le con. Parce qu'il sait bien que vous êtes incapable de se mettre dans la rue. Il y a les colporteurs, les vendeurs de la peur qui font bien le travail. Et donc, ils vous mettent dans les conditions de soumission. Et par conséquent, vous devenez des indigènes, des sujets et des esclaves, des Sassou et des Nguesso, accompagnés de tout ce marché qui gaffe autour de la dictature. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, Sassou l'a très bien compris. Il sait bien comment, parce qu'en jouant le con, il oublie tous vos problèmes, il vous emmerde. Et deuxièmement, il faut se dire que pour montrer qu'il est fort, faire semblant qu'on est fort, on fait semblant que bon, vous pouvez. Ils sont indéboulonnables, on ne peut pas les attaquer. Donc, ils font des mariages, et ils font la fête, ils font ça. Mais ça, c'est une façon de cacher la peur des lendemains. Ça, nous le savions déjà. Du point de vue technique, quand ils font les mariages, les fêtes, les tout ce qu'ils font pour... Non, ils ont la peur des lendemains. Je vous l'ai dit pourquoi. Je le dirai prochainement. Et donc, la fête au village... Et on consomme ce pays, on l'exploite. Et on sait bien que bon, le peuple a été capable de se mettre dans la rue. On travaille durement. Il y a les services France-Afrique qui nous livrent les informations, des renseignements et tout. Donc on est protégé contre ce peuple congolais. Donc c'est comme ça. C'est un suicide entre les dictateurs et son clan et aussi sa France-Afrique. Et qui n'a pas compris que le monde a changé. Depuis la fin de la guerre froide, en passant par l'arrivée des médias et réseaux sociaux, avec tous ces bouleversements en cours qui se dessine dans la zone France-Afrique. Mesdames, Messieurs, la troisième raison qui fait le con et qui, oui,
Il sait bien que, bon, avec les partenaires France CFA, France Afrique et tout compagnie, la France Afrique va l'aider. Si le peuple ne se met pas dans la rue, bon, ben, tant pis pour vous. Alors, donc, arrêtez ou cessez vos incantations, amalgame et bouc émissaire. Si vous prenez encore bouc émissaire, amalgame, ça arrange le dictateur. Donc, il faut changer de paradigme, il faut changer de mode de pensée. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Donc, arrêtez que ce soit le nord-sud, amalgame et bouc émissaire. Ça, c'est bon pour les dictateurs. Et ça donne d'ailleurs des idées à d'autres après Sassou Nguesso. Parce que ce n'est pas que Sassou parti, nous pourrons se retrouver avec un autre dictateur. Parce que ce que Sassou Nguesso fait là, a livré sur un plateau d'argent. L'émetteur de ses successeurs. Donc, un dictateur qui terrorise impunément son peuple devant ses opposants politiques qui ont tout résigné, donc, quelque part, ce dictateur apprend la tyrannie aussi à ses successeurs à venir. Donc, on s'entraîne. C'est des faits d'entraînement, de conditionnement d'ailleurs. Et demain, nous risquerons d'avoir un dictateur, civil ou militaire. Attention. Mesdames, messieurs, donc, on peut aller même aux statistiques. Regardez, 1000 personnes, 1000 Congolais meurent chaque mois suite à des conditions de vie exécrables pour un pays qui ne méritait pas ça. Donc, en une année, ça fait combien? Ça fait 50 semaines, donc 50 000 Congolais meurent chaque année pour des problèmes de conditions de vie, mais aussi il y a des disparitions suspectes, forcées, il y a des gens qui ont été torturés, tout ça, donc mélanger tout ça, donc ça fait au moins 50 000 personnes meurent chaque année au Congo pour des conditions qu'ils ne devaient même pas mourir. Alors, Brazzaville, c'est combien? 1 800 000 habitants. Si vous mettez 100 000 personnes à Brazzaville dans la rue, est-ce que ça peut tuer 50 000, la moitié d'un seul coup? Sans qu'il arrive dans des situations où l'intervention étrangère ou même arriver à des risques, à des situations incontrôlables, on peut arriver dans des cas de génocide. Après ces gars autour de ça, ça peut arriver dans une folie criminelle. Donc Sassou le sait. La peur de Sassou, c'est que les Congolais ne soient pas dans la rue. Et c'est les raisons pour lesquelles il met tous ses moyens du renseignement et financier qui lui restent pour qu'on continue à jouer aux amalgames, aux boucs émissaires et aux sécessionnistes et tout ce qu'il fait là pour créer un climat de méfiance et de défiance, d'où l'immobilisme. Et donc, sur ce plan, Sassou Nguesso, si on mettait les gens dans la rue, Sassou Nguesso peut-il tuer? Même pas, je vous dis, même pas 1000 personnes. Encore, laissant Sassou Nguesso là, vous allez voir que d'ici fin 2020, il y aura déjà perdu 50 000 Congolais. Dans toutes les familles, j'en ai perdu plein. Je vous dis qu'on s'est dit tous les jours, j'ai des. Bon, je ne veux pas dire, j'ai tout. C'est malheureux. Pour les conditions de vie. Et en plus, je suis activiste, c'est en déclassement haute là-bas. Bon, ça rentre dans les règlements de compte ou autre. Après, on ne sait jamais. Bon. Attention. Donc, 1 800 000 Brazzavillois, on prend seulement 100 000 dans la rue. Et on tient compte de ce qui s'est passé au Burkina Faso, en Algérie, au Soudan, et à Hong Kong, en Corée du Sud. Il y a eu plein. Il y a des exemples. Il faut. Attendez. Au Soudan, il n'y avait pas de quartier nord-sud. C'est un petit gars, des petits groupes, ils sont partis d'un quartier, ils ont fait leur truc, et les autres, les jeunes, commencent à se fédérer. Ils sont partis, ils ont tenu bon. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, sont des actifs. Ils sont actifs. Ils vont être là, ceux qui vont diriger ce pays-là. C'est ça demain, c'est ça là, Congolais. Pourquoi attendre ces hommes politiques? Les hommes politiques sont venus, les dissidents sont venus pour chercher à contrôler la manifestation. Après, on dit, bon, rentrez chez vous. On dit, non, 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 non. Rentrez-vous chez vous, hein? Vous pouvez rentrer chez vous, mais nous, on est là jusqu'à la chute du dictateur. Omar Béchir est tombé, non? Et donc, en Algérie. Oui, non, les opposants sont venus chercher à faire la diversion et autres. Passer dans une dictature. Il n'y a pas d'opposants politiques. Il n'y a que des résistants. Parce que quand on parle d'opposants, c'est qu'il y a l'alternance, il y a la démocratie haute. Dans une dictature, il n'y a que des résistants et des partis de résistance.
Donc, on ne peut pas parler, oui, après, il y a des dissidents, ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été avec le régime, mais ils se sont devenus, ils sont, se sont affranchis. C'est comme Jean-Marie Michel Mokoko, c'est un dissident. Kombi Salissa, c'est un dissident. C'est pourquoi on les a mis en prison. Les restes, il n'y a rien. Les autres ne sont pas des dissidents, c'est des gens du Sassou. Ils font le jeu. Et c'est eux qui font ce jeu-là. Parce qu'ils ont des passifs à cacher, ils ont peur. Et si vous, avec les moyens, l'ouverture, ou qu'ils étaient ministres, ou pourquoi ça ne sert à rien, moi je les regarde zéro. Vous pouvez devenir ministre-président du Congo à tout instant. Donc arrêtez de prendre ces gens-là qui sont importants. Nous ont tenu ce pays dans la merde. Et donc, ceci dit, donc, la paire contre Sassoum est imaginaire. Est imaginaire. Je ne sais pas quel quartier de Brazzaville, du nord au sud, est-ce, ouais, il y a des mélanges des jeunes, ils sont du nord, du sud, est-ce, ils sont ensemble, il y a des vieux réseaux, ils sont ensemble. Organisez-vous autour des gens que vous connaissez du nord au sud ensemble, comme nous sommes ici à Paris, en France, ici on a fait des associations, il y a des nordistes, il y a des sudistes, on est ensemble, on manifeste tous ensemble ici. Mais faites quelque chose comme ça. Après, les jeunes vont venir, tout le monde va venir au fur et à mesure. Trouvez une cause. Oui. Trouvez un endroit où vous pouvez rester là, groupement, et ça va augmenter. Et structurer, comme on a eu en Algérie, on apportait à manger. Vous avez vu au Soudan, à Khartoum, il y avait des gens qui assuraient la logistique, allaient chercher à manger, l'eau, ils la ramènent aux manifestants, qui restent là, à un endroit où on a pris qu'on appelle un autre QG. Notre QG peut être devant, je sais pas où, au boulevard des armées, ça peut être devant un ministère, ça peut être devant la mairie de Brazzaville, ça peut être à tout instant, à quelque part. Il y a des gens qui assurent la logistique. Et c'est ça d'avoir l'esprit d'organisation, de la structuration et autres. Ici, c'est un jeu d'enfants. Partout dans les peuples arabes, blancs, indiens, asiatiques, c'est un jeu d'enfants. Mais nous, on est incapables de structurer une contestation. Et vous venez toujours pleurer, ce qui a fait ça, Sassou a fait ça. Oui, très bien, continuez. Puisque ça l'arrange. Mesdames, messieurs, donc, la paix contre Sassou Nguesso est imaginée. Donc, attention. Et que après Sassou, nous risquerons de choper hein, une nouvelle dictature, civile ou militaire, avec ce peuple-là, qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple. On est d'accord? Mesdames, messieurs, la deuxième affaire concerne Denis Christelle Sassou Nguesso. C'est une invitation ou même un conseil à Denis Christelle Sassou Nguesso. Je voulais dire que n'essayez pas de devenir, de tenter que tu vas être président au Congo là. Je dis, il n'y a pas de base culturelle. Mbouchi s'est déjà souillé. Et tu es bien fiché. Vous avez une mauvaise image, mauvaise réputation au Congo. N'essayez pas. Vous risquez de perdre votre vie. On peut arriver à des bénédictions, quelque chose d'incontrôlable. Attention. J'ai mesuré tous les indicateurs socio-culturels du Congo sur le cas d'Elie Kissé Sassou Nguesso. La note est 1 sur 20. On ne vous aime pas à 1 sur 20. On vous aime à 1 sur 20. C'est ce que je veux dire. Le reste, 80, 19 sur 20, on ne veut pas de vous. Donc, si vous voulez rentrer, vous pouvez rentrer dans les mécaniques de bain de sang. Papa vous nomme président du Congo et les autres aussi qui vont dire, ah oui, ça soit eu ça, c'est ça. Mais tant de construire une dictature, donc il y aura des bains de sang et risque d'arriver dans quelque chose incontrôlable. On ne vous aime pas. Monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso, est-ce que vous avez fait la lecture ou fait lecture de la situation des enfants du défunt ex-dictateur Mobutu? Je vous note au passage que malgré la dictature, Mobutu avait un cerveau. Ce n'était pas le cas de Sassou, hein. Mobutu était plus puissant et aussi avait un cerveau. Et après, ces enfants-là, se sont tués. On n'en parle plus, c'est son repli, c'est un repli. Et ça dure depuis plus de 22 ans. Et on n'en parle plus. Ils se sont tués partout. Et qu'est-ce qui est arrivé dans cette famille-là? Eh bien oui, il est arrivé comme je vous l'ai dit que dans 97% des cas, la chute d'un dictateur antisocial et criminogène, et même kleptomane, apporte toujours le chaos à ses enfants, familles et clans. Et voici ce qui peut vous arriver parce que ce sont des mots-clés que nous avions pris de tout ce qui s'est passé à la chute de tous les dictateurs. 97% des cas. Voici les mots-clés que vous devez mettre à l'esprit. Dès la chute, voilà les mots-clés. Chasse à l'homme, case prison, drame, tragédie,
service secret, affaire de temps, raison de temps, suicide. On ne sait pas comment il s'est suicidé. Est-ce que les services secrets l'ont tué? Comment on appelle les malheurs, la poisse, la traîtrise. Parce que vous allez vous trahir entre vous, parce que vous allez être. Certains déclassés vont se trahir et d'autres vont même utiliser contre vous. Donc, c'est un conseil. Au lieu de trouver des solutions, dire non, ah tiens, je suis un grand voleur, j'ai volé ce pays parce que 50 millions de dollars qui ont dit que sur ces opérations, c'est une goutte d'eau, ils en ont plus de 3 milliards de dollars, ces enfants, qui sont sortis de nulle part. S'il n'y avait pas ce coup d'État-là, 97 France Afrique, qu'est-ce qui reste devenu les Christians, les Christians qui sont rien, perdus de vue. Serait comme les citoyens normaux. Mais le problème que j'ai dit, monsieur Denis Christian Sassou Nguesso, vous aurez pu venir là, montrer que oui, on peut transformer notre papa pour le compte de la sous-région. Vous avez géré beaucoup d'argent. Et donc, vous êtes venu se retrouver dans une caverne à Alibaba et vous avez volé. On voit les résultats. Mais le résultat, c'est que je ne suis pas xénophobe. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté, la dignité des uns et des autres. Le but de la condition humaine, et voilà. Et moi, je suis dans le juste droit. Je veux que toujours côté des... oui, je suis comme l'avocat général. Donc, ce que je voulais, aujourd'hui, je peux être votre ennemi, demain, je peux être votre ami, si vous transformez. Et donc, moi, je vous dis sincèrement, je ne suis pas xénophobe. Mais regardez bien la situation congolaise. Et surtout avec la RDC Congo et Congo-Brazzaville. Il y a une montée, dès qu'on parle de Kiki, Coco, il y a une montée de xénophobie. Ça veut dire qu'il y a la haine viscérale du Congo-Brazzaville, des Aïrois. Voilà, ils sont venus encore nous voler, les Aïrois conçus chez eux. Et comme on va voir quand ils vont récupérer ce pays-là, avec toutes les administrations, la diplomatie, les services secrets, tout. Qu'est-ce que vous allez être où avec ces gens qui ont la rage de récupérer ce magot que vous avez volé, caché par-ci, par-là? Donc, attention. Donc, si vous voulez aller être président pour se protéger de vos crimes économiques et autres, vous ne pouvez pas, ça va arriver, vous pouvez perdre votre vie. Je vous l'ai dit sincèrement. C'est un conseil. Et donc, la solution serait de dire, non, mais dire au vert, non, je ne serai jamais, je ne veux pas me faire président au Congo parce que le risque est haut. Et au moment venu, je prends la décision de remettre tout mon magot que j'ai caché. On vous demande de faire, on demande de lever d'immunité parlementaire à Denis Christian Sassou Nguesso. C'est comme légitimer ce parlement, il est illégal, illégitime. Sassou Nguesso et ses enfants ont cru que ce pays-là est leur propriété privée. C'est leur patrimoine. Vous allez demander quoi les droits à quelqu'un qui pense que ce pays est levé leur patrimoine? Vous êtes bêtes, quoi, les Congolais? Demandez qu'à lever d'immunité? Non, il faut les chasser, point barre. Le reste, c'est rien. Si vous ne les chassez pas, tant mieux et c'est bien pour vous. Votre lâcheté. Donc, Denis Christian Sassou Nguesso, écoute ça. Nous aurons beaucoup de vidéos sur toi à faire parce que c'est des conseils. Nous voulons récupérer ce magot-là. Mais vous n'allez pas le faire venir comme ça. Mais vous pouvez dire, ah oui, mais cherchez des solutions ou, je dis non, je vais préparer déjà les circonstances atténuantes au moment que Sassou va chuter, qui va chuter. C'est obligatoire. Toute chose a un début, une fin. Vous êtes là, ça ne marche plus, ça ne marchera plus jamais. Tant qu'on parlera de Sassou Nguesso, de ses enfants, famille, clan et dignitaire, c'est zéro. Donc vous êtes tenté de fracasser un pays au risque de se retrouver avec des gens qui vont venir d'une. Parce que la justice, quand elle est rendue par le peuple, et parfois cette justice peut être juste, mais également peut être aussi violente contre ceux qui, à un moment donné, ont brisé des vies, et fracassé le pays, vendu ce pays à la découpe, et exploité les ressources naturelles de manière opaque, bois, pétrole, mines solides et tout compagnie dans les manières opaques, comme si c'était leur propriété privée. Jusqu'à combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, Denis Christian Sassou Nguesso, fais attention. Je vais être ta conscience. Pour que toutes les solutions des mesures compensatoires, des circonstances atténuantes au moment venu. Mais nous, le reste, c'est toujours les magots. Les magots, si vous les rendez 99% de ces magots, tant mieux. Pour là, d'accord. Mais vous aurez des gens civilisés comme Aya Tonga, et qui vont dire, oui, dans les circonstances atténuantes, on va faire ceci. Bon,
on va se... Voilà, ça, nous voulons que justice soit rendue. C'est tout. La troisième affaire, c'est Mokoko. On m'a dit qu'on a signalé là qu'il y a des gens qui veulent chercher à aller à l'assassiner. Non, c'est des pressions. C'est des pressions morales, des pressions psychologiques, parce que le but est que Mokoko craque, mère et autres, sont l'assassiner. Si Mokoko tombe malade et autres. Bon, je vous l'ai dit que bon, déjà les divorces, va, s'il arrive un souci à Mokoko, les divorces sera consommé. Retenez bien, les divorces sont consommés entre Boshi et Makwa. Il faut le dire, c'est historique. On a des tribus, on a des ceci, les gens transmettent des formations déjà dans la famille que les Boshi ont empêché un président Makwa d'être élu. Ça, c'est ce qui circule déjà dans les consciences des Congolais, dans les familles. Et pire encore, si on l'assassine. Bon, vos affaires avec le Kouyou et les marins Gwabi, Yobi, ça c'est vous. Mais moi, nous, à Makwa, on l'a. Oui. Et depuis Ngwabi, et tout simplement, on craignait toujours les Makwa. Donc, dans la conscience makwayenne, on dit que les Mboshi ont empêché qu'un président Makwa puisse prendre le contrôle. Ça va rester historique. Et à la suite de ça, il y aura des écrits pour ça. Et ce sera quelque chose indélébile. Et deuxièmement, s'il arrive un souci à Mokoko, et vous imaginez, par la suite, que ça n'est pas éternel. Vous avez dit que ça a voulu faire des tentatives d'aller à Makwa, non? Et qu'est-ce qu'il arrivait? Bon, c'est ça. Donc, la cause Mokoko est une cause nationale. Que Sassou a certainement peur parce que, bon, c'est pas national parce que, et pour lui, c'est pas au niveau national. Si c'était national, Mokoko serait déjà éliminé. Mais il a peur parce que il y a cette tribu Makwa qui sait que, bon, elle compte, elle fait partie du pilier quelque part du régime encore. Et donc, ça, il a peur. Mais en même temps, c'est pas des gens qui voient loin. Et donc, il voit qu'aujourd'hui, il voit que ce qu'il est en train de faire. Nous avions eu beaucoup des histoires à raconter, des Mboshi, des Kouyou, même des Noumakwa, des Nord, des Sud, dans les familles. Et ça reste, j'en ai plein d'histoires comme ça. Vous savez que moi-même, quand j'étais à l'école primaire, je connaissais déjà l'histoire de Yombi Opango. En 1972, 73, je rentrais à l'école, 72, 73, je rentrais à l'école primaire. On parlait, je savais déjà ce qu'était de Yombi Opango. On nous racontait ça, mais on raconte bien. C'est un peuple intelligent, instruit, passif, et pacifique et tout compagnie. Mais bon, nos problèmes, on nous a amené ces Adjimbala, ces trucs-là, c'est des affaires criminelles que demain, ça se tombe, on va résoudre ça comme des aiguilles, des réveils, tous ces trucs criminels. Les kata-kata, les courblas, les ninjas, tout ça, il faudra tout réformer après. Les mentalités au niveau école, éducation, justice et tout ça, voilà. Mesdames et messieurs, donc, nous, pour nous, ça fait partie des pressions psychologiques et morales. Mais nous, le but n'est pas que, qu'il arrive un souci à Mokoko. Bon, nous, c'est le peuple, parce que le peuple l'a abandonné. Vous savez, Youlou, Massamba Déba, et d'ailleurs, Yombi Opango, Marien Gwabi et Pascal Issouba, quelque part, ils comptaient sur ce peuple, parce que l'État, c'est quoi? L'État, c'est le territoire, les institutions et le peuple. Et qui défend l'État et les institutions? C'est le peuple. Parce que le pouvoir, Sassou n'est qu'un locataire, il va partir, c'est une parenthèse de l'histoire. Nous devons protéger notre pays, c'est le peuple. Mais quand le peuple a tout renoncé à ses droits et devoirs, donc il y a un vide, donc le dernier recours reste les armées. Mais là, Sassou aussi fracasser les armées. Donc on est un peu tout seul, quoi. Et bon, donc ça donne les idées à d'autres que demain, comment vous allez vous battre? Parce que les Lissouba, les Marien Gwabi, les Youlou, Massamba Déba, bon, certains ont voulu compter sur le peuple. Mais le peuple, là, n'a jamais été, c'est un problème. Donc, il y a tout à réformer de ce peuple. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Et donc, l'affaire Mokoko, il s'agit bien sûr des pressions morales, psychologiques. Le but est qu'il craque ou il devient malade pour qu'il se barre parce que Sassou pense déjà à 2021. Et donc, pour ça, donc, il cherche les moyens parce que c'est Mokoko. Il faut que soit il soit malade ou mort ou autre. Mais ce n'est pas ça le problème, qu'il soit malade ou mort. Mais c'est déjà l'après. Il faut voir déjà l'après. Ça va être là. Non, c'est terrible. Il y a des gens qui ont tout appris de ça, cette histoire. Et beaucoup aussi d'autres, ça donne des idées, beaucoup de choses qui peuvent être dangereuses pour le clan Sassou Nguesso. Et c'est... Ces enfants et tout compagnie dont la règle est d'or. Ne faites jamais autour ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. À tous ces Congolais, ne soyez pas naïfs. Sassou n'est pas naïf, ni passif.
Il a le sens des détails. Il sait que si je perds ces moyens colossaux de l'État, on est dans la merde. C'est pourquoi il met tous les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. Et ils sont utilisés de l'État et pour qu'ils se maintiennent là au pouvoir. Parce que c'est vital. C'est une question de survie pour eux. Donc, par conséquent, si vous continuez à jouer au naïf en tant que peuple, on vous donne les signaux d'alerte, vous dites, ah oui, bah, vous voulez, et donc, on ne va pas le faire, on ne va pas être comme ça. Regardez tout ce qui s'est passé après chaque dictature depuis ces 50 dernières années. Après chaque dictature, ou la dictature la plus barbare, antisociale et criminogène, il faut prendre cette durée-là, c'est-à-dire, nous, c'est 40 ans que ça soit là. Donc, il faudra 20 ans pour transformer ce pays. Mais vous êtes en 2020, bon ben, on sera combien? En 2040, peut-être on sera plus là, on vous donne les outils pour vous. Et pire encore, si on arrive dans les situations de troubles autres, vous avez vu, on regardait ça après la chute de Mobutu. Et vous avez vu, depuis 22 ans, ils sont dans la merde. Ils sont partis juste en 2023. Et donc, vous voyez, ça se sert à créer une situation comme ça, comme la situation qui se passe en RDC. Nous pouvons nous retrouver dans la merde encore. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Et donc, je reviens au peuple congolais pour vous dire que, bon, le temps n'est plus à l'indignation, le temps n'est plus aux amalgames, ni aux incantations, ni à la résignation. Le temps est de chercher des mécaniques pour se mettre dans la rue. Il n'y a plus rien à faire, quelle que soit la casse. Se mettre dans la rue. Vous avez vu comment les gens de Hong Kong sont assis dans les endroits, une place énorme, tout le monde vient regrouper au fur et à mesure, et on va se regrouper. Et deuxièmement, on a vu au Soudan, on a des exemples, on peut faire. Il manque les cerveaux. Les gens là-bas, agitez vos neurones, vous allez mettre les gens dans la rue. C'est la solution. Si ça se sont toqués, ça commence à manifester là. Mais retenez bien, n'ayez pas peur des moyens de policiers qu'il a achetés, qui s'est défilé au boulevard des armées là. C'est nos moyens de la sécurité publique congolaise. Donc, les bombes lacrymogènes, ça n'avait pas peur. Nous étions à manifester à Paris, devant l'ambassade du Congo, Brazzaville à Paris, à la rue Paul-Valéry, sur le croisement avec la avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris. Et là, nous, on manifestait contre l'opération Bataille Yamakolo. Et là, on est venu nous gazer. Oh là là, ça fait mal. J'ai dit non, non, non. Ils cherchaient à mettre de l'eau. Non, non, pas de l'eau. Faut pas mettre de l'eau. Il faut chercher là où il y a de l'air, il faut. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc, on peut vous entendre. Donc, n'ayez pas peur des bombes lacrymogènes ou des trucs comme ça. Pour un petit garçon palestinien, c'est un pétard. Et il va même rigoler, prendre une pierre, une fatah. Vous avez vu en Afrique du Sud, comme dans les Zoulous, ils se battaient contre les Afrikaners. Et donc, il y avait ça. Il faut s'entraîner. Vous allez suivre. Ah, ok, là, vous êtes nombreux, là. N'ayez pas peur s'ils tirent les pétards ou autre. Non. Le but est de quantifier si tu des gens les uns et les autres. Et c'est là qu'il va avoir des soucis après. N'ayez pas peur de ça. Structurez-vous dans les trucs pacifiques. Dans un endroit pour que ça regroupe, et le monde arrive au fur et à mesure. Et assurez la logistique. Et c'est ces gens-là qui demain vont, seront vraiment honorifiés, seront les gens qui vont prendre le contrôle du pays. Parce qu'on ne peut pas avancer un pays avec des gens qui ne peuvent pas se structurer, s'organiser, faire des trucs pour défendre votre pays. Oui, donc ces gens-là, naturellement, seront valorisés. Mesdames et messieurs, peuple congolais, bon, donc, ceci dit, donc, vous avez compris, et à bientôt, et bon vent à tous congolais, et voilà. Donc, je vais partir là, voilà. Je vais laisser ça tout à l'heure, et voilà. Donc, à bientôt.